Ça, c'est pour toutes les personnes qui sont dans les mêmes délires que moi. Yo, salut les amis. Aujourd'hui, je viens de voir parce que j'ai passé l'après-midi avec une nana sur Internet. On a discuté un peu on va dire, de son avenir. En fin de compte, je m'aperçois que cette nana, elle est vénale, quoi. C'est bien dommage parce que c'est une personne qui a plein de qualités. Et qui voit pas plus loin de son nez. Changer de maître, hein, pour des intérêts, de dire voilà, parce que monsieur a une belle voiture et une maison, je trouve ça un peu ridicule de ta part. Parce que je pense pas qu'au fond de toi, c'est vraiment le grand amour. Après, c'est ton délire, c'est ton choix, c'est ta vie. Je veux dire, voilà, t'as commencé petit avec un mec qui avait un peu de moyens, mais sans plus. Maintenant, tu veux te débarrasser pour avoir un mec qui a un peu plus d'argent. Si ton objectif, c'est ça vraiment de ta vie, mais en fin de compte, t'as pas de cœur. Enfin, moi, c'est mon point de vue, t'as pas de cœur. En fin de compte, t'as jamais écouté ton cœur. T'as juste écouté tes intérêts, quoi. Et c'est bien dommage, quoi. Je veux dire, si tu dois faire un break de ta vie avec un mec, pourquoi déjà tu fais pas un break sur toi-même? C'est-à-dire, tu te cales, tu te mets un peu célibataire pendant quelques temps et tu laisses faire les choses comme ça se fait. Tu crois quoi? Tu crois que tu vas rester seul longtemps? Moi, je pense pas, au fond de moi, tu resterais seul longtemps. Mais bon, après, c'est tes décisions, c'est toi qui vois. Là-dessus, je veux dire, je vais pas revenir. T'es une grande fille, tu viens d'avoir un an de plus il n'y a pas si longtemps de ça. Donc, je pense que tu as dû bien réfléchir à la situation, comment se passer. Voilà, ça, c'est mon point de vue. Après, tu m'as dit aussi. Que soi-disant, il a eu un problème de meuf avec son ex-femme, machin, gros bouleversement dans sa vie et tout. Ben écoute, tu verras bien comment ça se passe quand tu la connaîtras, son ex-femme, s'ils ont des enfants ou pas ensemble, j'en sais rien, je m'en fous. Mais bon, tu verras bien comment ça se passe. Parce que je pense que si c'est lui qui est dégoûté, ça veut dire qu'au fond de lui, il l'aime encore, cette femme. Peut-être qu'en te voyant, elle, peut-être qu'elle va réagir autrement et elle va faire sa petite salope. Toi, tu vas être cocu, ma chérie. Mais ça, c'est un point de vue, mais peut-être que ça se fera pas. Je te le souhaite pas, franchement, c'est pas ce que je veux. Mais bon, voilà, c'était mon petit message. Donc, à toi et à toutes les vénales. Voilà, surtout à toutes les vénales, quoi. Arrêtez de penser comme ça, les filles. Sérieusement, quoi. Voilà, quand vous voulez quelque chose de votre vie, eh ben, il faut bosser. Voilà, il faut bosser, puis il faut le mériter ce qu'on a dans sa vie. Moi, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose de ma vie, c'est vrai. Je suis pas pauvre non plus, je suis pas riche non plus, mais au moins, ce que j'ai, je l'ai mérité. Avec mes mains, et quand je rentre, j'ai peut-être les mains sales, mais tout ce que j'ai, je l'ai mérité, encore une fois. Voilà, c'était mon petit point de vue, mon petit message. Je pense qu'elle se reconnaîtra, et puis même si elle se reconnaît pas, ben je m'en fous, royal. Mais c'est mon point de vue, voilà. Arrêtez de nous casser les couilles, les vénales, et essayez d'être comme nous, trimés pour avoir ce que vous voulez. Voilà, c'est mon point de vue. Et...